Dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises, la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers poursuit sa caravane de soutien auprès des entités sociales. CAP à l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon, Sizankembo dans le deuxième arrondissement de Libreville. Je viens au nom de mes compatriotes du site des familles handicapées de deux sexes, de Nkembo, pour vous remercier du fond du cœur du don des fournitures de nos enfants à l'âge de scolarité. En effet, nos enfants ont débuté les cours sans fourniture et nous étions inquiets. Mais grâce à Dieu, qui a suscité un homme, monsieur le directeur général, qui, malgré ses multiples préoccupations, a pensé à nous pour ce geste ô combien significatif nous donne la joie dans nos cœurs. Monsieur le directeur général, je pense que cela ne sera pas la première et la dernière fois. Nous osons vous revoir pour l'année prochaine. Monsieur le directeur général, profond remerciement. Prenant la parole, le directeur général de la SGEPP a justifié son acte. Nous sommes venus ici au siège national des personnes handicapées dans sa section Nkembo pour offrir un peu plus d'une, près d'une centaine de kits scolaires de tous âges, pré-primaire, primaire et secondaire, aux enfants vivant avec un handicap. Et cette démarche s'inscrit dans la politique de partage prônée par le président de la République, chef de l'État, qui nous demande de pouvoir, chacun dans son coin, accompagner les plus démunis ou aider les plus démunis. Voilà un peu le sens de notre présence ici. C'est être dans un esprit de partage, être dans un esprit de solidarité pour faire corps avec les orientations du président de la République, son chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Heureux d'avoir reçu ces dons, l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon n'a pas manqué d'exprimer leur remerciement à l'endroit du donateur. Merci au président de nous avoir donné les sacs. Merci beaucoup. Je ne savais pas comment je devais partir à l'école. Je remercie beaucoup son équipe, avec lui-même le président. Merci beaucoup. Je remercie le directeur général de nous avoir, d'avoir pensé à nous. Je le remercie de nous avoir amené ça pour lui. Ça me fait beaucoup mal au cœur de nous avoir donné ça. Je veux encore le remercier beaucoup de nous avoir donné ça. Je dis merci au fond du cœur. Je remercie d'abord l'Éternel Tout-Puissant pour avoir créé ce genre de personnes. Parce que tout ce qu'on peut lire, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un comme le DG qui est venu vers nous. Depuis, nous pleurons, nous écrivons, nous demandons, personne ne fait cas. Aujourd'hui, Dieu a touché le DG par rapport à tout ce que nous avons eu besoin cette année-ci. Nous avons beaucoup parmi nous ne travaillent pas. Donc les enfants, vraiment, nous peinons à toucher le debout pour les envoyer à l'école, ainsi de suite. Et qu'il a touché le DG, nous remercions encore et nous bénissons le geste du directeur général. Et que le Seigneur l'ajoute encore beaucoup de vie, parce qu'il n'y a pas que lui pour aider beaucoup, encore d'autres personnes, qui pourra aider d'autres personnes. Donc merci encore et je remercie le DG et toute l'équipe qui l'accompagne. Et encore ajouter aussi, parce que c'est bien aussi, là, c'est aussi la politique du chef de l'État, tout ce qu'on peut dire. Le DG a suivi les pas du président de la République. Et les paroles aujourd'hui nous a accompagnés. Merci encore. Et que je bénis le geste au nom de la communauté des personnes handicapées de Kourou. Merci. La société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers par cet acte met en pratique la volonté du chef de l'État qui veut que les entreprises se rapprochent un peu plus des populations.